C'est bon, allez voir, c'est bon, la sévère. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et je vous vois ici, vous faites quoi exactement ici? Bon, maintenant, moi, là, auparavant, je suis vendeur, mais maintenant, quand le problème de pays, maintenant, on n'a rien à faire, bon, je suis là pour travailler, pour rétablir mon pays en paix. Qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez sur quoi ici? Où sommes-nous d'abord? Bon, maintenant, on est là pour OIM, on travaille pour nettoyer les villes, pour amener la paix, et puis... Vous travaillez pour amener la paix? Comment est-ce que vous travaillez pour amener la paix? Bon, on voulait nous réconcilier entre nous deux, avec les deux races qui sont maintenant du conflit entre eux. Donc on voulait nous ramener la paix pour vivre comme habituellement. Vous dites qu'il y a un conflit entre deux groupes. Quels groupes sont en conflit? Bon, il y avait des conflits entre les chrétiens avec les musulmans. Bon, vous savez qu'on vit nulle part, quoi. Donc on vit dans notre secteur là, c'est pas normal. Auparavant là, on est habitué, on est ensemble avec eux, mais... Maintenant, là, ça a mal tourné, là. Maintenant, on voulait la paix, et puis on se retourne
dans notre continuité auparavant. Alors, il y a deux groupes, mais vous êtes de quel groupe vous? Bon, moi, maintenant, je suis dans le groupe des anciens Balaka auparavant. Bon, maintenant, j'ai tout laissé là. On avait laissé les armes, maintenant, en voulant qu'il y avait le travail qui venait, et puis on oublie ce qu'on fait auparavant là. Donc, vous étiez anti-Balaka, donc vous étiez armé. Et il y avait quoi? Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez anti-Balaka avant? Non, on était anti-Balaka en révolution par rapport avec les actes qui sont produits dans notre pays là. Donc maintenant, comme j'ai laissé les armes, en voulant nous établir notre pays, c'est nous les enfants du pays, c'est nous qui va rétablir notre pays, c'est pas d'autres personnes qui viennent nous rétablir notre pays. Donc en voulant laisser tout ce qu'on avait fait auparavant là pour rétablir notre pays. Alors maintenant, vous travaillez avec des musulmans aussi ici. Effectivement, il y avait des musulmans qui sont parmi nous. Maintenant, on cherche à nous établir. Maintenant, on comprend déjà ce qui s'est passé. Maintenant, on commence à nous les rétablir déjà. Alors, dernière question. Quand vous travaillez avec un musulman à côté de vous, quel est votre sentiment? Bon, maintenant, déjà, on commence à déjà oublier des choses qui sont passées là. Maintenant, on avait devenir de frères et de familles maintenant. Donc, on oublie tout ce qui est déjà passé. C'est passé, c'est passé. Donc, maintenant, on cherche à rétablir notre pays. Regarde là. Il y avait trop de questions. Bon, nous ne pouvons pas vivre dans cette manière. On est tous des pères de foyer, laver des enfants. Bon, donc maintenant, nous voulons la paix. On ne veut pas encore nous combattre pour le racisme et continuer avec tout et tout là. Donc, on ne veut plus maintenant là. Merci beaucoup. Rappelez-moi votre nom et vos fonctions. Ah bon, je suis Pongola, c'est vrai. Maintenant, je travaille pour l'OIM. Merci. Merci aussi à vous. Et votre nom? Je m'appelle Luce Marina Yamali. Oui. Et vous êtes ici, vous faites quoi un peu dans la vie d'abord? Vous faites quoi dans la vie? Bon, je suis étudiante à l'université de Bangui. Étudiante à l'université de Bangui, et on vous retrouve ici en train de faire les travaux de nettoyage. Pourquoi? Parce que je veux... Mon pays améliore et puis devient, nous habitons dans un pays très bon. Soyez à l'aise, il n'y a pas de problème. Oui, très sale. Non, je veux que nous aménageons notre pays, améliorer notre pays et puis nous voulons la paix en Centrafrique. Oui. Alors vous faites quel travail ici exactement? Où sommes-nous d'abord? Je suis en 5e arrondissement. Nous en train d'aménager notre arrondissement. Parce qu'il y a trop de saletés, dégagement. Ça cause des problèmes de santé. Ça cause des problèmes de santé. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes comme ça, des grands travaux que vous faites? Est-ce qu'il y a, on a appris qu'il y avait des problèmes entre les communautés. Alors qu'est-ce que vous souhaitez qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les communautés chrétiennes ou musulmans ou autres puissent être ensemble et travailler ensemble pour votre pays? Oui, nous voulons que les chrétiens et les musulmans soient réconciliés et nous voulons la paix en Centrafrique pour que nous démarrons. Réconciliation. Oui, mais vous dites réconciliation, mais vous n'êtes que des chrétiens ici. Il n'y a pas de musulmans. Pourquoi? Bon, je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Tu n'as pas voulu qu'il y ait des musulmans qui travaillent avec toi ici? Non, nous voulons des musulmans. Mais nous voulons toujours la paix en Centrafrique. Bon, c'est parce qu'il y a des problèmes de violence, Je ne sais même pas t'expliquer ça. D'accord. Dernière question, est-ce que ici, dans le 5e arrondissement, il y a maintenant la sécurité, la paix est revenue? Oui, un peu. La paix est revenue un peu. Puisque si ce n'est pas ici, pas la paix, nous ne pouvons pas venir ici dans ce quartier de Bazanga pour améliorer notre quartier. D'accord. Pour aménager notre quartier. Rappelez-moi votre nom. Je m'appelle Luce Marina Yamali. Et vous êtes étudiante, vous avez dit? L'université de Bangui. Vous faites quoi à l'université de Bangui? Quelle faculté? Je suis en département de sociologie. Merci beaucoup, merci. Mademoiselle. Merci. Et... Voilà. How are you doing? Ça va? Vous parler avec vous. Ok, sure. Hein? This morning I'm telling you that. Well, how are you, Jean-Pierre? Thank you for covering our program. Okay, thank you. What's your name? Sandra Black. I'm the communications officer at
international organization for migration here in Bangui, Central African Republic. So where are we now? We are in the market of the fifth arrondissement, which is no longer used. Part of it was destroyed and it's full of garbage, so people have vacated the area. In this cash for work. Good morning. Yes, good morning. What's your name? My name is Sandra Black. I'm the communications officer for IOM in Central African Republic. So where are we now? Right now we're in the fifth arrondissement of Bangui in the market area that was partially destroyed and full of garbage. So our Cash for Work street cleaning program, the youths from the 5th arrondissement are here contributing to their own neighborhood and shoveling and taking away the garbage that was here so people can come back and use the market again. So could you explain? So could you explain a little bit about that program of Cash for Work in Bangui? Sure. This is part of our retention of mixed communities social cohesion program. We're trying to give people a reason to stay in their own neighborhoods. These are mixed neighborhoods in the fifth and the third arrondissement, and we want them to stay that way. The economy of Central African Republic, Bangui, these people in this neighborhood, is really hurting a lot. So we give them employment and a chance to contribute to their neighborhood. People from the community, especially merchants in the market, really appreciate having the area cleaned, especially before rainy season, when drainage is very important. So people working here, where do they come from? Are they from different communities? In both arrondissements where we work, in the third and in the fifth, we take people from that arrondissement, people, representatives from each of the quartier in that arrondissement, so people can contribute to their own communities and help their neighbors. And people from the community can see that Christians and Muslims, youth, mixed communities are working together for the good of Bangui. So these, how many are there here working here? Right now we have 50 in the fifth arrondissement. We started with 50 in the third, expanded to 100. As of next week, Monday, we will have 150 in both the third and the fifth, a total of 300 youths working for their communities in Bangui. You said that the program is Cash for Work. How much do you pay them per day, let's say per day? The youth are paid $2,500 per day, which is dollars? $2,500 SEIFA per day, which is standard salary for Bangui, Central African Republic. At the end of the period, some youth in the third especially will be given business training. A lot of people lost their livelihoods in the conflict, so we want them to be able to restart their small businesses at the end of the program. Are you going to expand this program elsewhere in Central African Republic? We hope to expand to other neighborhoods, but we are expanding at least in the third and the fifth. We're also starting an infrastructure program funded by the European Union, in which community members from the third and the fifth and other communities will be able to select, they will choose their priorities for the infrastructure projects, and people from that neighborhood will be employed to contribute to them and rebuild their community. Thank you very much. Thank you very much. Jump here. On travaille, on fait tout.
Thank you.